J'en avais nulle part. Allez. Approchez-vous. Le capitaine Benitez nous a trouvé du café. Oui, j'ai réussi à récupérer ce que Kerman avait mis de côté. Bon, on est responsable de la zone qui va de Midtown au Lower Manhattan. Parce que absolument personne ne peut quitter l'île, nous compris. Mais notre plus gros problème, c'est encore le manque d'effectifs. La plupart de ces quartiers sont actuellement occupés et sous le contrôle d'éléments criminels. Rikers, nettoyeurs, gang. J'ai pas assez d'hommes pour reprendre un quartier, encore moins pour maintenir l'ordre. Du coup, ces ordures sont libres de voler ce qu'ils veulent, de tuer qui ils veulent, simplement parce qu'il y a personne pour les arrêter. Ce qui veut dire que c'est à nous de nettoyer cette partie de l'île. Si on veut que les habitants aient de la nourriture et des soins. J'en sais rien. Vu la taille de la zone, et le nombre de tarés qui se baladent, je suis pas sûr que vous ayez les épaules pour gérer, sans vouloir vous vexer. J'ai pas envie de vous jeter en pâture à une meute de loups. C'est nous, les loups, capitaine. Je sais. Mais peut-être que vous pourriez convaincre la division de vous envoyer plus de gars. Pour le moment, il y a que nous. Il faudra vous en contenter. J'arrive pas à croire que je mets ma ville entre les mains des fédéraux. Dès qu'on a des infos, on vous tient au courant. Bonne chance. Il vous en faudra. Ah bah voilà. Ça va être autre chose maintenant. Merci beaucoup.
À tout prix qu'on arrive à tenir cette base. Si on tombe, c'est tout Manhattan qui tombe. Ceci est une annonce des services d'urgence. La distribution de rations aura lieu chaque jour à 9h, exception faite pour les enfants et les personnes âgées. Il faut à tout prix qu'on arrive à tenir cette base. Si on tombe, c'est tout Manhattan qui tombe. Toute activité sportive de groupe est interdite. Merci de ne pas former de groupe de grande taille au sein de la zone de sécurité. Il faut à tout prix qu'on arrive à tenir cette base. Si on tombe, c'est tout Manhattan qui tombe. Si on tombe, c'est tout Manhattan qui tombe. Ceci est une annonce des services d'urgence. Toute personne surprise en train d'essayer de voler une arme à un agent de la JTF sera sévèrement réprimandée. Les contrevenants seront immédiatement expulsés de la zone de sécurité. Si on tombe, c'est tout Manhattan qui tombe. Tu loupes quelque chose, là? J'ai un catalogue de bâtards, moi, regarde ça. Ravi d'avoir bossé avec toi. Si on tombe, c'est tout Manhattan qui tombe. Ceci est une annonce des services d'urgence. La distribution de draps et couvertures d'appoint, initialement prévue à 11h, est annulée faute de matériel. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Il faut à tout prix qu'on arrive à tenir cette base. Si on tombe, c'est tout Manhattan qui tombe. Si on tombe, c'est tout Manhattan qui tombe. Il faut
faut à tout prix qu'on arrive à tenir cette base. Si on tombe, c'est tout Manhattan qui tombe. Passe pas à côté de ça. Tu cherches un truc ? Merci. Je l'ai. Vraiment, il faut à tout prix qu'on arrive à tenir cette base. Si on tombe. Et fais attention à toi, surtout. Parfait, on a une nouvelle salle de crise. On va pouvoir y organiser nos opérations pour toute la zone de Midtown. Il paraît qu'il y a une usine de napalm dans ce chantier. Agent, nos spécialistes en approvisionnement vont pouvoir se concentrer sur la collecte d'équipements et de matériel dans tout Manhattan. C'est vraiment pas le bon moment. De la phase 1. Je répète, phase 1 réussie. Flux régulier. Le réservoir est bien tenu. Bien tenu. Dieu de merde! J'aimerais bien dire à... Je confirme la réussite de la phase 1. Je répète, phase 1 réussie. Dieu de merde! J'aimerais bien dire à celui ou celle qui m'a envoyé ici d'aller se faire foudre. Allez... Une de nos priorités consiste à rétablir l'électricité. Et si on veut une...
utilisation de relais auxiliaires. Cible acquise, sous-niveau 3. Attention, hostile en approche. Il va falloir faire attention à Roth. Apparemment, c'est un pro, mais il est un peu excentrique. En gros, il a des tendances paranoïaques. D'après nos informations, un grand nombre de nettoyeurs sont sur place. Leur stratégie consiste à brûler les foyers d'infection et toute personne se mettant sur leur route. Faites très attention. Ce projet était censé agrandir le métro de la ville.
Sauf qu'ils n'ont pas eu le temps de le finir avant l'apparition de la grippe du dollar. Mais bon, les travaux publics à New York, ça prend souvent du retard. Activation du relais électrique. À qui a remis la lumière, si c'est la JTF ou quelqu'un qui s'est perdu, mais merci beaucoup. Ici Failo, je vous reçois, Rhodes. Il y a de l'aide qui arrive bientôt. Et un petit conseil à celui qui se trouve ici. Dirigez-vous vers la salle du relais secondaire, et quand vous voyez les cadavres, enfilez votre masque. Sinon, vous êtes mort. Que je pensais. Vous pouvez suivre mes instructions? Parce que là, je vais avoir besoin d'aide. Quel que soit votre problème, on peut vous aider. Parfait. Il va falloir remplacer les boîtiers de relais. Attention, vous entrez dans une zone de contamination. Vous quittez la zone de contamination. Thank you.
Putain, ça marche! Le Lower Manhattan a du courant. Encore deux, trois comme ça et on pourra rentrer à la maison. Les coups de feu, c'était vous, hein? Je me disais bien. J'imagine que quelqu'un vous a entendu. Attention, hostile en approche. Dites, les coups de feu, c'était vous, hein? Je me disais bien. J'imagine que quelqu'un vous a entendu. Attention, hostile en approche. Attention, les relevés indiquent que cette zone est contaminée.
Hit, les coups de feu, c'était vous, hein? Je me disais bien. J'imagine que quelqu'un vous a entendu. Attention, hostile en approche. Thank you.
vous quittez la zone de contamination. Attention, hostile en approche. Encore des malades. Occupez-vous d'eux. Attention, hostile en approche. Voyez bien dans le noir parce que vous allez devoir rejoindre la salle des commandes. J'ai hâte de sortir de cette putain de crypte. Hé, attendez une seconde. Vous en occupez, vous.
Attention, hostile en approche. On n'a personne d'autre sur place. Alors c'est des nettoyeurs. Je suis mort. Vous deviez pas vous en occuper, vous. Attention, hostile en approche. No!
quelqu'un à vous dans l'ascenseur. On n'a personne d'autre sur place. Alors c'est des nettoyeurs. Je suis mort. Agent, le réseau électrique est beaucoup plus stable. Grâce à vous, nous sommes de nouveau opérationnels. Rhodes est déjà en route, il est inutile de l'escorter. Venez me voir une fois que vous serez de retour. Un agent vient de quitter votre équipe.
c'est le ciel qui vous envoie. Je peux pas louper ça. J'ai un catalogue de bâtards, moi, regarde ça. Ni repris, ni échangé. Les activités en extérieur sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Ouais. Mais le nouveau type là, Rhodes, il devrait pouvoir nous aider. Écoutez, d'habitude je fais pas dans les violons, mais vous m'avez tiré d'un sacré merdier, alors merci. Vous attendez sûrement un peu plus qu'un remerciement pour avoir sauvé mes fesses. Ça vous plairait que je retape ce gourbi ? Ah, ça répond aux normes gouvernementales. Ça fait toujours plaisir de voir qui continue à placer la barre aussi haut. Si tu veux de la qualité, fais appel au privé, ça je l'ai appris à Basra. Eh ouais, on peut pas vivre que sur du vent et des bonnes intentions, de l'électricité et de l'eau. Le menu extra large, quoi. Vous êtes pas le premier à essayer. Il y en a un tas, des types comme vous, qui ont foutu le camp quand ça sentait le roussi. J'ai fini par me faire ma petite théorie, d'ailleurs. Bon, je vous la fais courte. Quand vous serez dehors à rebrancher la ville, essayez d'être malin, cherchez à en savoir plus. Le virus les a peut-être tués, ou bien ils se sont peut-être fait descendre. Peut-être même que la ville a ouvert grand la bouche et les a complètement avalés. Ça m'étonnerait pas. Ça s'est déjà produit. On est dans une ville pourrie qui a tué ma femme. C'est vraiment un miracle que je sois encore là. Il y en a qui disent qu'un pessimiste, c'est un idéaliste qui a enfin compris. Eh ben, ceux qui disent ça, c'est les trous du cul. Allez, allez-y, c'est à vous de trouver. Je vous dirai quoi rebrancher. Et essayez de pas vous faire bouffer, vous aussi. Pas mal. Ce matériel devrait nous permettre d'améliorer la situation. Bon boulot. Ah, pas trop tôt. Cette salle des commandes va nous permettre de surveiller le chauffage, l'eau, l'électricité, etc. Bien joué, agent.